La nuit a été longue. Il y en a qui ont passé les nuits blanches. Il y en a qui ont passé les nuits blanches. Eh, Adama. Eli, il y en a qui ont passé les nuits blanches. Il y en a qui n'ont pas dormi. Quand les Nobel ont pris le pouvoir sur la toile. Les gars de Nobel ont pris le pouvoir sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça veut dire que le genre de détrônement ici, je ne sais pas comment on appelle ça là. Ce genre de détrônement. Eh, Lola a touché le RSA. 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 Lolo, RSA. Lolo, RSA. Bamba mort. Antiva RSA. Bamba mort. Le RSA. Tapez les mecs. Tapez les. Le RSA est tombé cette nuit. Le mois prochain, vous allez faire comment? C'est le mois prochain alors que vous allez entendre que les couples sont en train de divorcer. Parce que le RSA ne tombe plus. Parce que le RSA ne tombe plus. Ouais, Bamba mort. Bamba mort. Ouais, Bamba mort. Ouais, il est là, il est là. Le plus laid. Non. Quand tu regardes le style, c'est-à-dire que... Attends, on va faire. Bon, on entre. Il y a le pasteur Dorty qui est là. On entre avec lui. Il est venu. Vous savez que quand quelqu'un tombe sur le lave la mer, quand même, je glisse un petit truc. Ouais, il y a le pasteur Dorty qui est là. Pasteur Dorty. Le pasteur Dorty qui est là. Dominus. Attendez, pasteur Dorty, je fais d'abord un peu de pompe pour toi. Je fais d'abord un peu de pompe pour toi, oui. Un peu de pompe, parce que je suis en train de faire des séries. Tu vois un peu. Je fais un peu de pompe pour garder la forme. Voilà. Attends, on va calibrer ça là. Hein, je fais un peu de pompe pour garder la forme. Hein, pasteur Dorty. Le Dorty man. 5 caressons propres, ça t'a dépassé. Et là, moi, je ne connais pas. Ndoti man. Au lieu de porter les caressons qui vont te faire 4 ou 5 jours, autant marcher à poil. Autant marcher comme ça. Oui, autant marcher comme ça. Le pasteur Ndoti, ma page est monétisée. Donc, il sait que tu. Pardon. Je demande solennellement à la toile camerounaise de venir donner 10 000 followers au pasteur Dorty. Je demande à la toile camerounaise de donner 10 000 followers. Attends. De donner 10 000 followers au pasteur Dorty. Dieu seul sait combien le prix du coup a augmenté. Je demande aux followers, pardon, donnez-le 10 000 followers pour qu'ils puissent payer encore le coup. Sinon, on va dire, pasteur Dorty, à vos chouilles. Bon, vous savez, c'est pas ce qu'on dit pour maintenir cette propriété.
pour maintenir un corps sain. C'est-à-dire que pour maintenir tout ça là. Donc, quand je fais la vaisselle aujourd'hui, j'ai dit, je vais faire la cuisine. Aujourd'hui, je vais faire la cuisine. Et en même temps, on va faire un tour sur le bois bandé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, je vais préparer quoi? Aujourd'hui, je vais préparer la sauce d'arachide. Vous savez, ouais, pâte d'arachide. Je vais préparer, ici, ça vient déjà écrasé. Oh, ben, oh. Il n'y a pas l'odeur du... Donc, je vais préparer la sauce d'arachide aujourd'hui et je vais faire un peu de carbonara. Bon, ça, c'est ce que je cuisine aujourd'hui. Moi, on revient sur le pasteur Ndoti. Pasteur Ndoti, quand tu vois un gars propre comme Amékamé, regarde, quand tu vois un gars propre, c'est qu'on appelle le gars est propre, sans poil, il est, je suis né comme ça. C'est-à-dire que les gars qui me sortent, je suis né comme ça, là, mon corps, là, mon frère, mon... Donc, je ne suis pas comme toi que... Quand un gars te caresse, elle enlève en même temps les trucs pour les... Hein? Que je laisse, c'est le début. Oh non, on va. C'est-à-dire que le plat du jour, c'est la fuite. C'est la fuite d'amour tabari. Ça, c'est l'ordre du jour. Donc, avant de commencer là, on a d'entrée de jeu, on a des coms qui est entré là. Hein? Le blogueur le plus. Hein? Non, arrêtez de dire que le gars il est. Parce que. Dire que le gars est nien, c'est que vous insultez même le nien. La fleur. Attends, bon, dans le même temps, pendant qu'il fait du sport, on appelle ça sport cuisine. Donc, ça veut dire que quand j'arrive dans la diaspora, bonjour Evelyne, bonjour Fashion, bonjour. Bonjour à tous les followers d'Amer Kamer. Maintenant que l'appel d'Amer Kamer est monétisé, maintenant il faut partager au maximum. Et c'est quoi, comment on en gros, ils ont mis monétisation. Je vous parle même comme ça là. Hein. Ils ont mis monétisation limitée. Ils ont mis le rouge là-dessus que petit frère. Donc, quand vous entrez maintenant, vous partagez au maximum. On va revenir sur Décom. Je ne peux pas le couper aujourd'hui. Il est venu là, non. Bon, pendant ce temps, je fais une série de vin. Ouais, un peu comme ça, même temps. Voilà. Disait tout à l'heure, Doti, oui, partagez au max. Ça veut dire que quand même se connecte maintenant, on partage. Voilà. Bon, quand on dit qu'un gars est propre, c'est le genre d'amère quand même. Quand on dit que le gars est propre, ça veut dire que toujours en blanc à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de way que. Parce que je me dis souvent que quand tu as une élève, attendez, mets ça ici. Oui, on va parler proprement. Quand la nature ne t'a pas aimé, quand on est là, on est au moins gentil. C'est-à-dire que ce sont toujours ceux-là même qui sont niais. Ils font toujours les trucs qui les ressemblent. Il est venu ici l'autre jour à Brive. Parce qu'il venait voir sa famille ici à Brive. Il a profité. Il s'est vite filmé quelque part. Ouais, mais quand même, je suis à Brive. Quand il est parti, il a posté. Il fallait poster quand tu étais à Brive. Tu allais me voir. Ça veut dire que j'allais te dire, passe au Ndoti, viens. On va faire les courses. Je dois te payer du savon. Je dois te payer, etc. C'est comme les lolos. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir qu'elle va sortir avec la caméra. Bref, non. Elle fait le pas. Quand vous les voyez, quand vous voyez cette femme-là commencer à faire le lave dans le noir, c'est parce que le RSA est bolé. Ça veut dire que maintenant, il faut qu'elle négocie ce qu'on appelle les... Il faut qu'elle négocie avec ses copines. Il faut qu'elle négocie avec ses copines. Ouais, ma peau, pardon, donne-moi le fond de l'éteint. Ouais, pardon, donne-moi le fond de l'éteint. Appelle l'autre. Ma copine, tu ne sais pas que tu fais la promotion de tes trucs de beauté là. Maintenant, ça ne marche plus. Le mois prochain, c'est grave. Parce que le mois prochain, pour quand tu donnes le RSA, tu dois work. Maman, les lives vont diminuer dans les réseaux sociaux ces jours. Ne vous inquiétez pas. Les lives vont diminuer. Hey! Allez, maman. Allez, confirmer le compte. Les lives vont diminuer.
à outrance. Hier, c'était le rire rouge qu'on a chopé. Donc, je dis salut à cœur ouvert de Nicole. À cœur ouvert. Maintenant, mais. Oh, oh, attendez. Attendez. Là, il y a ceci. Tu ne peux pas venir. Hein? Tu entres. Vous ressemblez même vous tous. Oh, Ahmed, Ahmed, tu n'as pas construit. Ahmed, Ahmed, tu n'as pas construit. Passe ton dorti. C'est quand tu as fini de construire que moi, je vais venir louer là où tu as construit. Mais comme je sais que tu ne vas jamais construire, la location te dépasse en bain. C'est le parfum que tu peux payer au pays. Hey, Adama, ça dit que n'importe qui fait n'importe quoi parce qu'on a entendu qu'il y a n'importe qui dans n'importe quoi. Voilà, voilà les conséquences. Ils sont toujours là. Vous les voyez dans les réseaux sociaux. Quand ils arrivent au Cameroun, ils veulent blaser. Je me rappelle encore quand le gars était au Cameroun. Il va voir les DJ des bars. Les DJ des bars là. Oh, regardez, regardez. Oh, Ahmed, Ahmed. Regardez comment on me connaît, mon frère. Tu avais payé. Tu avais payé. La différence avec Ahmed, Ahmed. Ahmed, Ahmed n'est jamais dans un bar au pays. Tout le monde le sait. Si tu veux voir Ahmed, Ahmed, viens au village. Oui. Maman. Ici à Brive. J'ai géré une boîte de nuit pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ça dit que c'était Ahmed. C'est-à-dire que Camerla Nightclub, je vais vous montrer les, je vais vous montrer les trucs. C'était Camerla Nightclub. On voit les gens qui sont arrivés hier, hier. Hier, hier. Ils dialoguent dans tous les réseaux sociaux. Oh, prononcez mon nom. Prononcez mon nom, prononcez mon nom. Voilà quelqu'un qui crie partout pour qu'on prononce son nom. Hein? Toi, au moins, tu es obligé de travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu prends le dehors. On revient maintenant sur l'autre. Je vais vous traiter, vous tous, à tour de rôle. Maintenant, voilà ce que je fais. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas dans les réseaux sociaux. Hier, quand ils ont envoyé la monétisation de la page, si quelqu'un a pris ta vidéo sans ton accord, vous arrivez en bas des vidéos, vous arrivez par moi, j'ai fait ça sur la page de Nathalie Babalé. Je suis venu sur la page de Nathalie Babalé. Toutes mes vidéos, salut la tigresse, toutes mes vidéos que Nathalie Babalé a prises, j'ai seulement mis la pape, signaler, contenu n'est pas original. J'ai mis signaler, contenu n'est pas original, signaler, j'ai signalé toutes mes vidéos. Maintenant, Nathalie Babalé, pour publier mes vidéos, tu vas m'appeler. J'ai signalé toutes mes vidéos. Donc, Nathalie Babalé, si on bloque ta page ces jours-ci, ne sois pas étonné. Ça m'est quand même. Moi, je ne fais pas. Oui, Nathalie Gacha. Moi, je ne fais pas. Je ne tourne pas derrière. Quand il frappe, je signale que j'ai frappé. Donc, Nathalie, tu as remarqué que toutes les vidéos où Ahmed Kamé apparaît, j'ai signalé toutes les vidéos. Pour dire que c'est mon contenu. Je suis le propriétaire de ces contenus-là. Donc, si ta page est bloquée ces jours-ci, ce n'est pas que les gens t'ont signalé. Sa mère, quand même, qui a signalé sa présence de cette vidéo sur ton mur. Maintenant, celui qui veut regarder Ahmed Kamé, soit je te donne l'accord de publier mes vidéos, soit tu les regardes sur mon mur. Hein? C'est comme ça. Oui, je ne sais pas pourquoi quelqu'un n'a pas fait ça. Ça dit que si quelqu'un publie vos vidéos sans votre consentement, vous venez juste en bas de la vidéo. Il y a 3 points. Surtout, faites ça avec les pages monétisées. C'est comme moi, par exemple. Il faut lire. Quand on monétise ta page, il faut lire. Il y a une place dans la monétisation où c'est écrit. Les contenus de votre page, vous devez être le propriétaire des contenus de votre page. C'est marqué dessus. Mm-hmm. Donc, si quelqu'un publie ta vidéo, tu viens avec ta page et tu cliques. Parce que quand j'ai cliqué sur la page de Nathalie Babalé, je vais encore faire ça sur la page de Nathalie Babalé, vous allez voir, je vais faire ça en direct devant vous.
vous venez, vous cliquez avec votre page, parce que la page maintenant peut être transformée en compte. Et vous signalez le contenu de cette vidéo. C'est-à-dire que vous signalez que le propriétaire n'est pas le contenu de cette vidéo et que c'est vous. Bah, vous envoyez ça. La page va être bloquée en attendant l'étude. Donc, il faut faire. Je vais vous faire ça en direct. On va faire. Je vais encore le faire ça sur une des vidéos sur la page de Nathalie Babalé. Ah, moi, je dis la vérité. Hein. Donc, je vais revenir. Je m'arrange d'abord à entrer. Je m'arrange d'abord à entrer sur la page de Nathalie Babalé avec mon compte Amer Kamer. C'est très important. C'est parce que quand je signale la vidéo, je dois être le propriétaire qui signale cette vidéo-là. Bon, là maintenant, je suis sur le compte Amer Kamer. Je m'en vais maintenant sur la page de Nathalie Babalé. C'est... attendez. Voilà, attendez. Recherche. Bon, là maintenant, je suis sur sa page. Avec ma page Facebook. Je clique. Là maintenant, voilà. Là maintenant, je vais venir. Attendez. Voilà. Non, ça c'est pas ça. Attendez, je. Attendez. Non, je vais vous dire comment ça se passe. Comme ça, vous allez voir que les gens qui publient vos trucs seront obligés. Voilà. Attendez. Voilà. Là, c'est bon. Je vais vous expliquer comment vous allez faire pour que vous ne soyez pas... Parce que ça, je vais vous montrer le procédé pour que... Donc, il faudrait que vous devez être propriétaire des vidéos que vous signalez. Ou bien, tu peux signaler la vidéo. Tu dis, celui-ci n'est pas le propriétaire de cette vidéo. Et vous épinglez le propriétaire de la vidéo en dessous de la demande. Attends, je cherche les vidéos. Je cherche les vidéos. Attendez. Non, je cherche mes vidéos parce que comme je vais chercher une vidéo que je n'ai pas encore. Une vidéo que je n'ai pas encore signalée. Donc, je cherche une vidéo que je n'ai pas encore signalée. Parce que quand vous signalez une vidéo, vous ne pouvez pas reprendre le signalement. Attendez, je vais vous montrer une. Je vais faire ça en direct devant vous et vous allez voir. Ça fait que les personnes sont obligées de créer. Vraiment, j'ai signalé beaucoup de vidéos. Attendez. Voilà. Voilà, je suis en train de monter. Je suis sur sa page. Je vais signaler. Attends, je vais monter en bas. Je vais signaler une vidéo que je n'ai pas encore signalée. Et vous allez voir comment ça va se passer. Voilà. Attends, je remonte encore en bas.
Je remonte, je remonte. Il va signaler les comptes. Je signale seulement les contenus là où je suis. Normalement, si Renker faisait ça depuis, c'est qu'elle ne publie plus les vidéos de Renker. Parce que sa page est bloquée automatiquement. Non, la monétisation est bloquée, pas la page. La monétisation est bloquée. Non, je suis en train de chercher là où je n'ai pas passé à mes vidéos qu'elle publie. Et là, elle sera obligée de m'envoyer un message. Voilà, on va prendre. Ouais, j'ai déjà bloqué la vidéo aussi. On va prendre par exemple comme cette vidéo. Je vais incliner ma caméra. Moi, je vais faire ça avec vous. Bon, on va prendre. Attends, on va se mettre là pour que vous voyez bien. Voilà, on va prendre comme cette vidéo. La vidéo aussi, elle m'appartient. Qu'est-ce que je fais? Je viens à ce niveau-ci. Vous voyez? Je viens à ce niveau-ci. Je mets. J'ai un problème avec cette date. Et à partir de là, on va vous demander pourquoi vous voulez signaler la vidéo. Tu vois un peu? Tu mets. Ajouter des informations. Attendez, voilà. On clique là. On va ajouter des informations, oui. Voilà. Et à partir de ce moment, on te montre toute cette partie. Bon, ce ne sont pas les vidéos indésirables, tout. Vous n'entrez pas dans ça. Vous venez dans autre chose. Et si vous venez, on appelle propriété intellectuelle. Vous voyez un peu. Voilà. Et vous cliquez ici. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, la personne n'a plus. La personne n'a plus. Et comme elle n'est pas la propriété intellectuelle de la vidéo, à partir de ce moment, donc vous revenez là, vous cliquez oui. Vous pouvez mettre un petit commentaire. Je suis le propriétaire. Voilà, vous mettez envoyé. Vous revenez là. Sélectionnez déjà fait. Et c'est déjà bon. Une fois que vous le faites, c'est simple. La personne ne peut plus. C'est-à-dire que sa monétisation sera bloquée. Si c'est que ça a régénéré quelque chose, ça sera bloqué. On va lui demander, donc on va l'envoyer dans un mail pour que la personne puisse justifier de ses X, de ses Y. Donc, si vous avez vos vidéos que des gens mettent sur vos pages, vous allez le faire, tac, 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 et c'est bloqué. Ce n'est pas que je suis mauvais, parce que pour que je ne signale pas ça, parce que quand elle va, parce que ce que Nathalie Baba va faire, c'est qu'elle va venir contredire. Nathalie Baba va venir contredire ce que j'ai fait. Et on va donc m'envoyer donc la contradiction, parce qu'elle va dire que non, ce n'est pas lui le propriétaire, mais elle ne peut pas le dire, parce que c'est robotisé, il vérifie automatiquement. Et c'est ennemi, j'épingle le lien. J'épingle le lien dans, on va disons, une contre-expertise, si vous voulez. J'épingle le lien pour montrer d'où la vidéo arrive. Voilà comment sa monétisation sera d'abord arrêtée. Et on va lui demander de supprimer toutes ces vidéos-là où j'appartiens. Si Renker faisait ça depuis, c'est qu'il n'y a plus aucune vidéo. Ah oui? Bon, maintenant, on va voir ce qu'il vous donne à manger. Domino Santo Spirito! Oui, de temps en temps, ça fait du bien de vous donner des petites astuces comme ça. Oui, Amen, Kameto, Maman, les pages. Non. Et quand moi, je signale. Est-ce que j'ai caché? Je suis venu vous dire que non. Hier, j'ai signalé toutes mes vidéos que Nathalie Baba a publiées. J'ai signalé que c'est moi la propriété intellectuelle. Ce n'est pas elle. À partir de ce moment. Maman, publie encore. Oui. Comme tu dis que Facebook te ramène l'argent. Le tout, c'est. Hein, je ne peux pas, à part les gens, passer à les gens qui m'ont appelé. Il y a beaucoup de temps, il y a Mano Sabi qui m'a appelé pour me demander est-ce que je peux publier tes vidéos. Il y a les gens qui. Il y a mes gens là que quand ils publient, je laisse. Mais il y a les gens là. Si ta page n'est pas monétisée. Oui, bonjour. Oh, Zam. Non, Zam, comme tu es venu là, tu as quoi que ça va encore?
Zam, je suis beaucoup Zam sur Facebook. Et c'est quelqu'un vraiment de... J'aime bien sa façon de faire, d'abord le style, le design. Hein, Zam? Là, c'est le roi du Facebook. Viens dire à Zam, si tu sens que les gars te dérangent, tu sais que moi, je suis double style. Donc, tu peux venir avec tes cousins. Hein? Même pour le Mbounde, on va même dire. Oui! Parce que quand vous voyez un gars qui pleut aux homos, c'est-à-dire que tu vas avoir le cas, le style. Oui, Zam, c'est ça, non? Oui. Non, Zam en Belgique, il fait des cours de danse. Non, il faut les Joss. Que si les gamins dépassent, tu as le temps qu'il va m'aller. Oui. Et puis ça fait quoi? Ok. Donc là, Zam, ce que je suis en train de cuisiner, hein, Zam, je vais faire ce qu'on appelle des pâtes à la carbonara. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la carbonara, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais faire les pâtes à la carbonara. Parce que moi, depuis que je suis là, moi, je mange que le roi. Depuis que tu as dit que je suis la plus belle. Et dis que tu es la plus belle, Zam. Ce n'est pas on discute. Ce n'est pas. Dis que quand on voit d'abord ton style sur TikTok, et tu. Alors, attends, fais ta promo sur Facebook. Chacun fait la promo de ses amis. Attends, j'entre sur TikTok. Les gens parlent seulement. J'ai une relation, hein. Là, on me néglige. Attends, il met la bonne Zam. Il met Zam sur TikTok. Donc, le gars d'abord. Voilà. Là, je suis. Attends, je vais baisser le volume comme ça. Là, je suis sur le TikTok de Zam. Vous voyez, non? Non, le gars, le design. Ah, il va appeler le design. Voilà. Le gars, le style. Le gars, le style. Vous voyez? Ce n'est pas que non, propriété, tout. Voilà, attends, je vais mettre un peu les meilleures vidéos. Non, ça, c'est pas que je suis constamment sur TikTok. Vous voyez un peu. Le gars, d'abord, le style. Là, il est multifonction. Voilà. Il faut pas. Non, c'est ça. Tu es mon ami, non? Quand tu viens là, il te fait la promotion, il te fait la calapou. Et surtout, ça m'a publié un livre. Attends. Ouais, ça, c'est très intéressant quand même. Quand il faut quand même que tu aux gens que tu as publié un livre. Ah oui, oui. Normalement, même si tu as le temps, tu te prenais là directement. Là, tu faisais la promotion de ton livre. Ok, vous êtes mes jeunes. Est-ce qu'on gère ça que... Attends, le truc de ton livre, même, woman. Laisse. Bon, c'est pas grave, je vais montrer ça un autre jour. Un autre jour, tu seras mon invité. Il faut qu'on fasse même ça, Zam. Tu vas être mon invité parce que tu as beaucoup plus sur TikTok. Il faut que tu sois mon invité sur Facebook. Je vais mettre spécial, Zam. Comme ça, les gens vont te poser des questions. Non, il faut qu'on développe ça comme ça. Tu nous présentes ton livre, tu nous présentes ce que tu fais. Voilà, parce qu'on te connaît beaucoup plus sur TikTok. Mais sur Facebook, quand même, il faut quand même que la communauté caméra, la communauté des caméraiens puisse... Donc, voilà, on continue. Ouais, quelle est maman? Non, vous savez, ouais, on doit faire ça. Non, attendez pas encore les pompes parce que vous savez, je garde ma ligne. Ça dit que en même temps, je cuisine, en même temps, je fais le sport. Non, je suis obligé de garder ma ligne parce que quand tu vois les gars comme des cons dans les réseaux sociaux, après les gars se plaignent pourquoi les garçons sont toujours avec moi. Vous plaignez pourquoi? Amen, amen, c'est un tchè du loup. Bon, il faut encore 10 pompes. Donc, on regarde ce que je disais tout à l'heure. Dans les réseaux sociaux, vous allez apprendre à être intelligent. Vous allez commencer à publier ce qui vous appartient. Vous allez arrêter de publier ce que les autres. Donc, on revient à ce qui s'est passé hier soir. D'après les dernières informations qu'on a eues, apparemment, Kounagwe ne se trouve encore à parler à l'heure actuelle. Ce qui a obligé certains détracteurs à rester chez eux. Si on avait déjà un parent Goumbou qui avait fait le babysitting chez lui, il avait refusé ça.
qui pose un gars, qui pose ses pieds à Paris pendant que Koun est là. On va voir. Vous aimez entendre. Vous aimez entendre. Moi-même, quand il va arriver à Paris, pas en Goumou, moi-même, quand il va arriver à Paris, à vous traiter, vous, comme quand vous allez au Cameroun, vous profitez de vos petites relations que vous avez pour vouloir intimider la diaspora. Je t'attends au Cameroun. Je vais te porter plainte au Cameroun. Parce que vous avez des petits cousins, des petits adjudants-chefs mafieux, des petits adjudants-chefs du CERF, des rientons. Allô. Ok. Attends, ok, ça marche. Oh, j'aime bien. J'aime bien mon... Attendez. Ouais, qu'elle est... Voilà. On le sort. Apparemment, il y a un poste quelque part. Il y a un bon poste quelque part. Oui. Domino sans tous espiritus. Drame tous. Voilà. On va rigoler un peu. Ouais que... maman. Quelle est maman? C'est maintenant que... Ok, Adama. Donc, ça c'est que tu as écrit. Donc, tu étais sur Facebook hier soir. Aïe! La sauce d'allergie. Tu publies après. Il faut publier avant. Tu publies après. Et les souris. Il fallait faire un post hier. Tu publies après. Parce que c'est qu'il part aujourd'hui au Luxembourg. Samedi, tu as une belle, non? Il faut être là-bas. Samedi, si, tu as une belle, il faut être là-bas. Tu vas lire là-bas. Attends, ok. Je vais te transférer même le bruit que tu as même fait là. Parce que. Voilà. Regardez. Ouais, maman, tu viens quand il part, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Il en a écrit que je serai demain chez la doyenne. Tu es demain chez la doyenne, pourquoi? Parce que tu sais qu'il n'est plus là. Le bruit, la bouche. Tu n'as même pas honte. Attends, il fait la capture du poste, il peut effacer même ça. Il fait la capture du poste, il peut échapper ça. Voilà. Il peut pas, il est souvent très fort. Il est souvent très fort pour y passer les postes. On t'a cherché hier soir fatigué. Il fallait écrire, maman. Ah non, maintenant tu viens parler que tu n'es pas. Il fallait faire le poste où tu étais hier. Il dit que la bouche, tu fais le poste. Il fait la capture du poste. Il t'a cherché hier. Tout le monde a vu comment il te cherchait. Il fallait aussi faire un live pour répondre que je suis à telle place. Il a dit que même en Madrid, il va te chercher. Même en Espagne, en Yémoué. Tu vas le bruit, hein? Voilà. Attends. Tu as dit que tu as pris l'avion, non? Arrive. C'est la partie du film là que nous on attend. Voilà. Cool. Oh, Colo, les lâches. Après avoir négocié, parce que Koun a donné son programme. Tu sais que Koun ne sera pas là. Tu fais le poste, tu sors. Tu sais que Koun ne sera pas là. Tu fais le poste, tu sors. Tu n'as même pas honte. Regardez-moi. Maintenant, tu fais le poste pour dire que oui, les gens font le bruit parce que je ne suis pas là. Les gens font le bruit. Hein. Tu vas lire leur samedi. Koun a dit qu'il est là. Il revient. Nous, on va attendre Koun. Si tu envoies pour quelqu'un négocier comme tu fais souvent. Parce que la dernière fois, tu as envoyé Angoula.
Tu as envoyé Patricia pour aller demander à mère, ta mère, que, oh, pour que je retire ma plainte. Il faut qu'il me demande pardon. Le gros cul de ta mère. Tu as compris, hein? Imbécile. Tu vas lire l'heure. Idiot. Jusqu'à l'engrama me colle même, hein? Jusqu'à l'engrama me colle même. Oui, à mère, ta mère. Le président dit que, oui, il faut demander les excuses pour qu'il retire sa plainte. Imbécile. Pourquoi les envoyer? Et ça enregistré, hein? Ce n'est pas que ça enregistré. Ça enregistré. Voilà. Là, on ne pense même pas là. Il y a un mec, Adama, on t'a cherché hier, tu as fui. On t'a cherché hier de 9h jusqu'à minuit. Madrid de Paris, c'est combien? Madrid de Paris, c'est 30 minutes de vol. On considère que tu as fait 2h. Madrid de Paris, c'est maximum, ton avion est resté longtemps en haut. En 1h45, tu es dans le 17e. Là, il est là comme ça. Maintenant, tu fais les pouces. Tu tremblais hier comme ça. Il fallait même faire un live hier pour montrer où tu étais. Aujourd'hui, ton dernier poste que tu as fait, ça remonte à 10h. Si on regarde ton dernier poste hier à 10h, et aujourd'hui, tu gonfles parce qu'il n'est plus là, il est parti. Va au Luxembourg. Ouais. Ngoum, va au Luxembourg. Vous aimez parler. Ouais, maintenant tu fais les petits postes à 2 balles. Antérois, même Antérois Paris. C'est-à-dire que tu as confirmé que c'est un gars de Nobel. Parce que comme tu penses que tu prends les alliés de toi, tu mets derrière toi. Comme tu penses que tu prends les alliés de toi, tu mets derrière toi. Tu as menti. Tu as menti. Comme tu comptes sur les gars massages du 17e là. Mais c'est les Bobasuna. Mais si il veut pas voir cela, il va voilà. Vous parlez pour parler. Viens porter plainte. Je ne porte pas plainte en France. Hein? Tu n'as même pas honte. Viens porter plainte en France. Tu attends quoi? Hein? Ngoum. On t'a cherché hier, fatigué. Tu as fait le babysitting hier. Maintenant, tu fais genre, tu étais en voyage. On avait vu la carte là hier. On savait que quand Kounakou va partir de Paris, alors tu vas le sortir. Allô? Oui, c'est bon. Non, ce n'est pas grave, maman, ce n'est pas grave. Ok, ça marche. Non, c'est déjà ça qui. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Oh, en forme seulement. Attends, je finis là, il t'appelle. Tu as compris? Quand il finit, il t'appelle, il t'inquiète même pas. Non, si. Non, je finis le live, je t'appelle. Ok, ça marche. Non, c'est les renseignements que les gens envoient. Pour. C'est les renseignements qui arrivent de partout. Un gars me dit que je vais t'envoyer la photo. Hier, on l'a vu. Hey, Facebook. Facebook. La lâcheté. La lâcheté, c'est pour les traîtres. Vous avez compris? La lâcheté, c'est pour les traîtres. Si vous voyez quelqu'un qui a perdu sa valeur dans Paris, si vous voyez quelqu'un que les gens sont restés comme ça, on a dit que celui-là ne sert à rien. Et quelqu'un qui n'est pas reconnu, dans le milieu des hommes d'affaires. Oui. Quelqu'un qui n'est pas reconnu dans le milieu des hommes d'affaires. Quand vous voyez ça, c'est pas la peine. Le respect est parti. Nous, quand on dit qu'on est les vrais, un vrai mec, ne parle pas derrière. Un vrai mec, il te parle en face. C'est ce qu'on appelle des vrais mecs. Aujourd'hui, on a une bande de... On a une bande de lâches. Oui. Vous envoyez les négociateurs. Ouais, pardon, on va négocier alors là-bas. Pardon, il part quand là-bas. Il part quand. Tu vas négocier. Jusqu'à on voit les négociations hier. Comment on appelait pour dire que non, ouais, qu'on laisse, qu'on laisse. Il t'arrive, il va te manger. Angel, ouais. Il te dit. Il va te chop. Vous aimez entendre?
Ce n'est pas le pays ici. Hein. Même ce n'est pas le Cameroun où tu vas appeler un cousin. Où tu vas appeler un cousin pour dire que bon, Majona, tu n'as pas un gars. Oui, c'est combien? Oui. Ouais, pardon, reste seulement 100 000. Prends-moi même trois éléments, reste seulement 100 000. Tu sais que si le gars, oui, il faut que je montre que je suis en. Oui, ok. Ici en Beng, ce n'est pas ça. Oui. Ici en Beng, c'est le tété. Ça veut dire que c'est pour ça que tu ne peux même pas parler fort. Oh, on a arrêté Amel Kamé, on a tué, tu ouvres les champagnes. Tu ouvres les champagnes chez la douane pour dire qu'on a arrêté Amel Kamé. Tu n'as même pas honte. Même pas honte. Tu jubiles. Tu jubiles qu'on a arrêté un gars. Tu jubiles qu'on a arrêté un gars, mais elle est toujours dehors. Tu jubiles qu'on a arrêté un gars, mais elle est toujours en Amel. Tu as quel genre de relation? Dis-moi un peu. Les relations de caca. Tu jubiles qu'on a arrêté un gars. Il est toujours dehors. Maman a honte de ça. Je vais te dire. Ouais, en passant, big up au président Raymond Tchenga. Le souverain Raymond Tchenga. Oui, big up au souverain Raymond Tchenga. Oui, big up à Chapuis. Ouais. Tu viens parler? Moi, je ne peux pas enfermer les gens. Mais le jour où je dis que j'enferme quelqu'un, je vais l'enfermer. Le jour où je dis que j'enferme, moi, je n'enferme même pas. Je tiens les deux. On n'a qu'un les pieds. On n'a qu'un on les deux pieds. Je tiens les deux, on n'a qu'un on les deux pieds. Le jour où je dis que moi, je t'aime quelqu'un. Je ne perds pas le temps pour aller déposer les. Je prends les deux là. Je dis toi, que les gars, je ne veux. Ça dit qu'il a 48 heures. On va boire avec lui. Pourquoi moi, je dis tout ça. C'est les faits. Jusqu'à, il va me porter plainte, il demande 40 millions. Tu es pauvre à ce niveau-là. Tu es pauvre à ce niveau-là. Maman, eh, Adama, tu as fait le babysitting hier. Tu as fait le babysitting hier par force. Il fallait mettre ton nez dehors. Maintenant, tu fais le poste. Je serai demain à Paris parce que tu as négocié avec tout le 17e. Ils reviennent. Ils reviennent. Vous parlez. Vous allez m'entendre. Quelqu'un se marie par cotisation. Il vient parler à ceux qui ne sont pas mariés. Jusqu'à tu fais le chantage à l'un que oh, tu es au mariage de l'autre là. La jalousie comme ça. Pardon. Va le trouver ton équipe de ténèbres, ton équipe de ténébreuses, ton équipe de RSA. Va le trouver. Nous là, on travaille. Nous là, on travaille. Tu as compris? C'est comme ça qu'ils sont ici dehors. Vous les voyez, vous pensez que c'est les hommes. Vous pensez que c'est les hommes. Maman, la défabrication de ça, je donne ma bonne. Attendez, cherche le sifflet. Oh, colo, oh. Ma forêt son sifflet là. Il n'a pas trouvé. Tu as la chance qu'il n'a pas trouvé le sifflet. Eh, cool, va, Benike, attends. Bam, boum, boum. Bam, boum, boum. Boum, boum. C'est comme ça qu'ils sont ici dehors. Vous dites que vous êtes des hommes, vous vous engagez, vous ne respectez pas un homme. Quand on dit qu'on est un homme, c'est-à-dire que c'est moutu. Quelqu'un qui est debout, il reste comme ça là. Vous avez vu, tu as les portées pleines, non? Et avec, avec, avec.
Tu montes les petits adjudants chefs du CED là. Je suis au tribunal militaire avec lui. Il t'a pas dit ça. Je suis au tribunal militaire avec lui. Là, il est là. Il ne peut même plus. Ce qui fait, comment on m'a dit que ne parle pas de ça, maman, quand la paix sera ouverte, je veux poster les photos de l'adjudant là partout. Je veux le mettre le numéro 1 de la corruption au CED. Il va boire avec lui à tous les niveaux. Tu as vu comment il, tu as vu ce qu'il était fait là? C'est un petit niveau. Parce que ton adjudant chef là, oh, j'ai tout sur lui. J'ai tout sur lui. Même quand il s'est marié la dernière fois, j'ai ça. J'ai tout. Mal, amen, amen. Le roi du renseignement. Et quand quelqu'un pour l'appeler, il me dit amen. Envoie-moi la géolocalisation. Oui. Viens parler. Amen, amen, m'a insulté. Fallait pas escroquer. Fallait pas escroquer. Avec ton équipe de RSA, man. Ne travaille pas, hein. Même ton acolyte d'ami du Cameroun t'a fui. Imagine-toi-même d'abord. Parlons peu, parlons bien. Imagine-toi. Tu parles avec du Cameroun. Il met le haut-parleur, j'écoute de l'autre côté. Il a envie de se moquer de toi. Et après, du Cameroun me dit, écoute, quand du Cameroun a coupé ton micro, qu'est-ce qu'il a? Quand il a coupé ton micro, du Cameroun a fait quoi? Il dit, attends, il t'envoie la capture d'écran. Il y a du Cameroun me dit, attends, je peux faire. Du Cameroun fait la capture d'écran de ma conversation avec lui, t'envoie ça. Tu pensais qu'il ne m'avait pas demandé? Mm-hmm. Même le jour où tu as monté ton coup pour le CED, c'est du Cameroun. Le problème avec toi, c'est qu'il est Kimura, tu es comme une femme, tu parles toujours. Voilà pourquoi, pour moi, tu ne peux pas être un gentleman. Tu ne peux pas. Tu n'as ni le niveau, ni le spirit. Tu ne peux pas. Tu parles trop. Un pondanda. Tu ne peux pas être un gentleman. Un gentleman, ils sont pires que les agents secrets. Les gentlemen, ce sont les hommes de l'ombre. Quand tu entends l'homme de l'ombre, tu peux marcher avec, tu peux marcher avec un gentleman. 100 ans. Tu ne sais même pas que c'est un gentleman. Parce que les gentlemen ont ce qu'on appelle le culte du silence. Le culte du silence. Tu peux marcher avec un gars. Regardez le femme en avant. Tu marches avec un gars. Les gars, tu les tapes les commentaires avec toi. Mais si on te dit que c'est lui qui t'a frappé, tu ne peux pas croire. Parce que les gars ont ce qu'on appelle le culte du silence. Les gars ont ce qu'on appelle le pouvoir des relations sombres. Tu sais ce qu'on appelle un femme. Tu n'es ni reconnu par le milieu des femmes. À part les petits aventuriers là. Les petits qui font les petits wash-wash là, ils font les petits ex un peu partout. À part cette petite race de Féman, parce qu'il y a deux races de Féman, trois races de Féman. Tu as les ting-ting. C'est-à-dire que les Féman des réseaux sociaux là, on les appelle le papato. C'est-à-dire qu'ils ont vu comment on faisait un fait quelque part, ils viennent raconter qu'ils sont Féman, entre dans le même travail. Tu as une autre race de Féman, ceux qui sont un peu retirés. Maintenant, tu as la grande classe. C'est là que quand on arrête, ils appellent seulement les portes s'ouvrent. Tu vois, je vais te dire. Tu viens, tu dis partout que tu es féman. Tu peux être un féman. Un féman n'habite pas en France pour commencer. Voilà. Un féman, un, n'habite pas en Belgique. De deux, à partir du moment où on sait déjà que tu es féman, c'est que tu n'es rien. Parce que le véritable féman ne donne pas son identité. Vous êtes là, vous avez entendu parler que les gens font. Vous avez entendu parler que les gens font. Vous, si vous venez, je suis féman, je suis féman. Il y a une différence. Parce qu'il va vous apprendre beaucoup de choses dans le fait. Un féman. Un ne travaille pas. Un féman ne travaille pas. Un féman, c'est le wise. Un féman, c'est quatre sorties. Un féman, c'est quatre sorties. Première sortie, préparation de la logistique. Deuxième sortie, préparation de ce qu'on appelle le la-la-la-la. Ça veut dire que strict minimum. Troisième sortie, fondation. Quatrième sortie, couronnement. Un bon paiement sort quatre fois. Et ça va. On va les nyama nyama là dehors. Ils sont là dehors partout. C'est comme ça qu'on les arrête là dehors. C'est en bande là-bas. Les petits nyama nyama là. Qui donnent les bouteilles de champagne un peu partout dans les bars, un peu partout. C'est ta classe là-bas. C'est ta classe là-bas. Les gars que je nomme au pays, on ne te compte même pas dedans. Quand tu dis ce marrant, je dis, hey, laisse, c'est quelqu'un là-bas. On te parle de vraies affaires. On te parle de vraies affaires. Venez parler. Tous les gens qui font ta force au pays,
leur numéro de téléphone, c'est là mon téléphone. Tous les gars forts du pays. Je vais maintenant encore aller plus loin. Actuellement, au Cameroun, les meilleurs frappeurs, c'est les Anglo. Et ils ne discutent avec personne. Les meilleurs actuellement au pays, c'est les gars anglophones. C'est la moitié seulement. C'est-à-dire que les femmes francophones qui marchent avec les femmes anglophones, c'est les. Demandez-moi à vous dire, quand vous ne connaissez pas, ne parlez pas. Nous là, on sait ce qui se passe dans la maison. Voilà. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Amère ta mère. Je vous prends l'exemple. Vous rappelez l'affaire des femmes, le gars qui est mort aux États-Unis. Quand j'ai commencé à parler, les vrais, ils vous disent les vrais. Amen, oui. Continue à parler ce que tu fais bon. Ils ont raccroché. Quand j'ai rencontré, comment il s'appelle encore mon pote là? Bah, dis-moi un peu son nom. Celui-là avec qui je crachais tout là. J'ai oublié son nom même. On s'est rencontré chez Compressor. Pardon, rappelez-moi un peu son nom. J'ai oublié son nom. Comme ça fait depuis, il n'a même pas dans les réseaux aussi. Il est à Dubaï. Eddie Boucan, merci. Quand il a rencontré Eddie Boucan a dit à mes respects. Eddie Boucan a compris ce que je voulais faire. Il a compris. Il est resté comme ça là. Il a confirmé que Amen, Kamel, Dieu le chapeau, tu es fort. Imaginez-vous, quand quelqu'un vient là-bas, j'ai entendu un jour quand Femman est dans les histoires de Congo. Ça. Les Femman ne sont pas dans les histoires de Congo. Ça. Ils ne sont pas dedans. Ils font quoi là-dedans? Le Femman est là pour chercher son argent. Il est là pour chercher son argent. Quand on dit que c'est un Femman, à partir du moment où on sait déjà que tu es dedans, tu es grillé sur toute la ligne. Tu es grillé sur toute la ligne. Non, les Bamouns ne sont pas dans ça. Ne confondez pas, il y a beaucoup de Femman. Les Bamouns sont beaucoup plus dans le triangle. Les Bamouns ne sont pas dans ce que je suis en train de dire. Et il y a plusieurs sortes de Femman, de fait aujourd'hui. Il y a beaucoup. Mais le fait en vogue maintenant, c'est le spirit. De toute façon, même le style est fait partout. Mais je vous dis actuellement, ce qui cogne le plus, c'est les gars anglophones. Renseignez-moi, on va vous dire. Si vous ne connaissez pas, on va vous dire. Et les gars là, quand ils sonnent, tu ne peux même pas savoir. Tu ne peux même demander aux Femman qui marchent avec les gars anglophones. Ils vont vous dire. Est-ce que c'est une histoire que vous racontez aujourd'hui? Mais quand vous voyez quelqu'un arriver là-bas, oh, je suis le président de Paris. On t'a démontré hier que tu n'es le président de rien du tout. On t'a démontré hier que tu es le président de rien du tout. Qu'on est venu te chercher à Paris, non? Tu es sorti. Normalement, si tu étais fort, tu allais faire un live. Bam! Tu allais faire un live. Tu allais dire à Koun. Je ne suis pas à Paris actuellement. Mais je serai à Paris samedi au Nobel. C'est comme ça qu'un homme parle. C'est comme ça qu'un homme parle. Les ting-ting comme ça. Là. Vous venez dans les réseaux sociaux parce que vous voulez niasse d'autres à Pétinga. Vous voulez niasse d'autres à Pétinga. Vous criez seulement que wow, 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 wow. Vous avez niasse quoi? Vous avez bien niasse. Oh, j'ai arrêté à mettre à mettre. Tu n'as même pas honte. Tu as arrêté un gars qui est toujours dehors. C'est pour montrer ta faiblesse. Et on n'arrête pas n'importe qui. On n'arrête pas les enfants du peuple. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On n'arrête pas les gens qui travaillent pour le pays. On n'arrête pas les gars comme ma mère, ta mère. On ne les arrête pas. Non. Nous, là, on ne nous arrête pas. Parce que nous donnons de la valeur au Cameroun. Parce que nous donnons de l'importance à notre tête. Parce que quand on va au pays, on ne distribue pas les billets. On ne corrompt pas les agents pour vouloir montrer aux autres qu'on est arrivé. Non. Quand on est au pays, on est dans le terre-terre. On est dans l'aide. On est dans tout ce qui peut imaginer. Dans tout ce qui peut faire, qui peut participer au développement du Cameroun. Voilà là où nous sommes, nous, quand on est au pays. On n'est pas dans les histoires de quand on distribue les billets. Depuis que tu distribues l'argent, tu n'as aucun honneur. Aucun honneur. D'abord, ce n'est même pas mon sens, ce n'est même pas. En tout le monde, l'histoire de Tienga que Koun t'a cherché à Paris, tu as fui. Maintenant, tu sors, tu fais les postes. Il ne sait pas. On savait que tu allais dire ça. On savait. Mais, comme je te l'ai dit, n'envoie plus quelqu'un venir négocier. Plus personne.
n'envoie plus personne. Parce que la dernière fois, tu as envoyé Angoula, tu as envoyé Patricia. Allez jamais quand même de faire une vidéo, j'aille me demander les excuses pour que j'enlève la plainte. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Allez dire. Mais oui, c'est ce qu'on appelle les garçons. Vous pensez que moi, j'ai envie d'arrêter quelqu'un. Je ne parle même pas. Je ne parle pas. Je vais arrêter la personne. La personne ne saura même pas que c'est moi. Et je viens lui donner les oranges encore. Je viens encore lui donner les oranges pour lui montrer que non, je suis pour les polir là-dedans. Vous êtes là tous les jours, un peu, à ma belle relation, un peu, à belle relation, un peu. Les gens ne respectent plus les réseaux sociaux. Les gens ne respectent plus les réseaux sociaux. Un peu, je vais t'attendre au pays. Un peu. Le pays là, c'est pour vous. Le Cameroun, c'est pour vous. Un peu, je t'attends au pays. Un peu, on va voir ça au pays. C'est pour vous. Vous influencez ceux-là qu'ils n'ont pas. Moi, vous ne pouvez pas. Moi, mec à mec, vous ne pouvez pas. C'est comme ça qu'il allait prier. Il allait prendre la fille. Hey, je vous raconte à l'homme comme ça. Wombo, c'est comme ça qu'il allait s'associer avec la fille de. Qui a dit que j'ai stocké son argent là. La fille a dit que bon, ok. Voilà comment j'arrive, je vois la fille. On dit à la fille qu'elle explique la situation. La personne qu'ils ont mandaté pour aller parler, hein, Adama, la personne est restée comme ça là. Non, c'est que, on te dit que, mais on t'appelle pour parler de quelque chose, tu ne connais pas. Après, on m'a seulement dit, mais porte plainte. Voilà comment j'ai fait pour porter plainte à la fille là. Et Lucier, avec qui sont montés les faux dossiers là, ils sont encore à la recherche. Parce que vous voyez comment, je vous dis comment ils font. Ils vont payer un huissier. Ils s'arrangent là-bas. Ils font comme si vous en avez vu trois fois et que vous n'étiez pas là. C'est pour ça que c'est très important. Et maintenant, ça va, Sophie. Et maintenant, quand ils viennent, ils pensent que, les gars, rien que Raymond Tiengam, Anne, et Ben de Dieu, regardez-moi les gens, rien que Raymond Tiengam, on n'entend même plus parler de toi. La honte que tu as prise sur moi. Mais tu as oublié quelque chose, tu m'as encore rendu plus tard. Tu m'as rendu plus tard. Regardez quelque chose. Depuis qu'on t'a enlevé, depuis qu'on t'a détrôné, depuis qu'on a enlevé le nom sur toi, tu brilles encore où? Tu brilles encore où? Ouais. Ça me sent. Va les condiments de Benalo. Ça veut dire quand ils pensent qu'au village, quand tu fais seulement ça, là, ça sent jusqu'à. Tu brilles encore où? Nulle part. Les gars parlent. Vous amusez. Hein? Kunta cherché partout. Tu es là tous les jours. Tu viens, je suis Féman. Qui te reconnaît? J'ai les maisons. Aucune maison n'a ton nom. Aucune. J'ai ceci. Aucune n'a ton nom. Aucune. Mais vous levez, vous pavanez dans les réseaux sociaux. J'ai l'argent. Oui. Mengue. J'ai l'argent. C'est maintenant qu'il faut montrer l'argent. C'est maintenant qu'il faut montrer ça. Tout la soirée, on t'a cherché hier, abonné à ça. Fallait voir comment on te cherchait. J'avais mon honte à ta place. Je te mets que ouais, voilà le genre de personne. On te cherche dans Paris. Quand ta femme va voir qu'on te cherche même, elle va comment? On va se mentir à ta femme que on cherche ton mari. Maman, elle rit de ça. Elle rit. Ça rit. Quand j'imagine un peu comment on est en train de te chercher, ça me faisait rire jusqu'à. Et pour le test seulement là, dites-moi quand il arrive, je vais le toucher. Non, le test seulement là, on riait. Ce n'est même pas qu'on voulait rire. C'est que quand tu penses comment Kounadjik, il va te mettre ça. Comment on appelle encore? Ouais, tout de suite. Attends. Je vais mettre ça.
Vous n'allez que te chercher, non. C'est comme ça que vous êtes dans les réseaux sociaux à intoxiquer la population. À montrer toujours ce que vous ne voulez. Ce que vous ne... Et beaucoup de gens vont imiter ça. Beaucoup de personnes. Ça veut dire que tu es là, tu vois quelqu'un. La personne ne veut plus rien faire. Hein? Parce qu'on a des individus qui ont décidé de gâter la diaspora camerounaise. Et c'est honteux. Vraiment, c'est honteux pour notre diaspora. C'est vraiment honteux. Et les gens sont là, les gens supportent. Vous supportez quoi? Donc, je suis en train de préparer la carbonara. Je vais faire la carbonara et je vais faire avec des pâtes et je vais mettre ça avec du... Et les gens sont là, les gens vous supportent. Tu te dis, mais on va même où? Après, on nous manque le resto au Cameroun. Voilà, diaspora, les voilà. Les voilà. Venez nous voir comment nous traitons au Cameroun. Les voilà là-bas. Les gens qui insultent le président. Les voilà. Hmm? Les gens qui ne veulent pas travailler en France. Les voilà là-bas. J'ai un job. Il y a des fois certaines choses. Hein. On ne parle pas. Certaines choses, on ne parle pas. Pas parce qu'on ne veut pas parler. Mais on a honte. Allez au Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun, tu as même honte de dire que tu viens de Paris. On nous prend pour des vauriens. On nous prend pour des gens qui ont raté leur vie. Des gens qui passent le temps dans les réseaux sociaux à raconter un tissu de mensonges. Et pourtant, qui touche le RSA. Dédicace à Lolo. Lolo, il faut voir par un Bongo. Il faut voir par un Bongo. Tu lui dis comment on peut être prêt au Cameroun. Peut-être il peut t'aider parce que je vais vous traiter. Je vais vous traiter. On va se fumer avec le neuf. On parvane. On parvane, on montre qu'on est avec le neuf. Parce qu'on veut narguer les gens. Tu montres que tu as avec le neuf. Parce que tu fuis. Tu montres que tu as avec le neuf. Parce que tu penses que, comme tu as avec le neuf, ça veut dire que les gars de neuf ben, vont venir taper coup. Comme tu as avec le neuf. Tu as capable à côté. Tu assumes ce que tu as cherché seul. Tu assumes. Comme on dit souvent, quand tu partais attaquer Koun, tu étais seul. Parce qu'on te voit marcher avec les gars Bassa maintenant. On te voit marcher avec les gars Bassa parce que tu penses que les gars Bassa vont te protéger. Tu as menti. Koun, c'est un gars de Nobel. Il va leur dire que je ne suis pas là pour Ito. Je suis là pour un problème personnel. Ils vont seulement faire le couloir. Il va te dormir. Ou les pigeons aussi. C'est pas parce qu'on a un bengue, il doit vous manger. C'est pas possible. Tu viens de te mettre à la fenêtre comme ça là. C'est ça. Des gens nous emmerdent sur la toile tous les jours. Personne ne donne aucune directive. Ils ont tous les gros noms. Les gros noms viennent se vanter. Ils veulent montrer qu'ils ont brisé. Ils veulent montrer qu'eux, ils ont réussi, les autres n'ont pas réussi. Voilà. Après, tu arrives au Cameroun, tu entends comment les voilà. C'est parce que comme c'est sec, c'est pour ça. Je vais un peu couper ça avec l'huile. C'est parce que comme c'est sec et que je n'ai pas envie de... Et que je n'ai pas envie de... De mettre l'eau là-dedans. Parce que les lardons... Quand tu cuis les lardons sautent sur un peu d'eau. C'est ça. Ça dit qu'on voit une bande de personnes. Toujours.
voit une bande de personnes, c'est toujours les mêmes gens. Ils sont dans les réseaux sociaux pour vendre des illusions aux gens, pour vous montrer qu'ils ont une vie de famille terrible. Ils sont dans les réseaux sociaux, c'est leur job. Mentir à tout le monde. Comment ils ont réussi leur vie. Après, c'est toi qui entends. Oh, ils ont les enfants dehors. Et beaucoup de gens tombent dans leur panneau. Tu entends? Oh, je vais être comme Bangoungou. Lui ne trompe pas sa femme. Oui, regardez comment il fait. Oui, sa femme, c'est si. Boum, c'est lui qui a les enfants qui ont versé au roi. C'est lui qui a ceci versé au roi. Tu dis que, hé, hey, voilà le man. Les loups comme ça, là, nous, on sait que nous, on est tordus. On sait que non. Tu entends une histoire de Ngra quelque part, il est dedans. On montre aux gens la vraie France. Le roi, le doudou. Oui, vous arrivez. Vous vendez les histoires aux gens. Après, on s'étonne que les enfants, les autres sont dans le désert. Tu appelles au quartier. Tu entends seulement que le gars a pris la route. Tu vois là que le petit là va faire quoi en aventure? Oh non, grand frère, ce que tu me dis, ce n'est pas vrai. On a vu un gars dans une soirée, il avait des bouteilles de champagne partout. Oh, on a vu l'autre là-bas. Tu dis que tu. Hey, Adama, Uma. Tu vas expliquer à l'enfant que c'est faux ce que tu vois. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu ne peux pas. Si les loups comme ça ne viennent pas dans les réseaux pour dénoncer toutes ces conneries, qui va le faire? Personne. Personne. Tu ne peux pas dire que tu comptes sur le gouvernement. Tous est corrompus. On a nos enfants qui sont là. Hein? Je veux ressembler à un tel. Va expliquer à l'enfant qu'il ne travaille pas. Tu vas commencer comment? Oh, tu ne veux pas qu'on vienne en France. Oh, tu ne veux pas qu'on vienne en France. Tu as expliqué ça comment à l'enfant? Tu dis au petit frère que petit laisse. Il te dit que non, grand frère, je sens que tu es jaloux. Hein? C'est très important. Pour ceux qui préparent les lardons, quand on cuit les lardons, on cuit les lardons à feu doux. C'est très important. À feu doux. Tu attends d'abord. Et quand on prépare les lardons, c'est un conseil que je donne aux femmes. Arrêtez de préparer comme si c'était en bain. Quand tu veux cuire les lardons, par exemple, comme ça, là, vous savez que les lardons sortent l'eau après. Je préfère mettre mes lardons comme ça là directement. Ça veut dire que je mets seulement un peu d'huile pour rincer le fond de la marmite, pour que le fond de la marmite ne soit pas. Pour que ça ne soit pas un genre. Après, je baisse le feu au maximum. Ça veut dire que je mets le dernier niveau de feu. Vous voyez, c'est le dernier niveau de feu. Je mets le dernier niveau de feu. Et après, qu'est-ce que je fais? Je mets les lardons. J'attends que les lardons là sèchent vraiment. Parce que là, comme je mets les lardons là, j'attends d'abord que ça accommode l'eau. Une fois que ça accommode l'eau là, que l'eau est déjà commode, là maintenant, je mets l'assaisonnement là, tac, avant de mettre la crème fraîche. C'est très important. C'est très très important. Parce que beaucoup de personnes, vous voyez, là ça va commencer. Là par exemple, l'huile c'est tout simplement pour que les lardons ne collent pas. L'huile c'est pour que les lardons ne collent pas au fond. Tout simplement. Et après, moi, j'aime bien pourquoi? Parce que je ne mangeais pas ça au pays. La cuisine est simple en Europe. Lardons, crème fraîche. Tu vas payer les lardons 1,50€. Tu payes 2 sachets, 3€. Tu payes la crème fraîche. Tu prends la marque. La marque la moins chère, c'est 1€. Ça fait là combien? Là, il a, ça fait combien? 4€. Tu payes le paquet de pâtes. Ça fait combien? 5€. Ça te fait la nourriture. Voilà ce qu'on veut que les blogueuses nous montrent dans les réseaux sociaux. Comment manger moins cher? Comment manger moins cher? Voilà ce qu'on veut dans les réseaux sociaux. Tout ce qu'elles sont, tout ce qu'elles font toute la journée, parler du piment. Et après, une fois que ça finit, une fois que j'ai fini de cuisiner là, les lardons c'est pour moi. Lardons ça là c'est pour moi. Après maintenant, je fais la pâte d'arachide.
Je fais la sauce d'arachide et tout. Les lardons, tout ça, là, ça c'est pour moi. Voilà ce qu'on attend de ces femmes-là. Montrez comment on peut payer les choses moins chères. Montrez comment vous avez fait X ou Y. Rien. Matin, midi, soir. Oh, dans le wakaïsme. Matin, midi, soir. Pendant que l'autre se pavane de l'autre côté à montrer comment Jean il a réussi. Voilà pourquoi, en 2023, si, je vais vous toucher. Je vais vous toucher là où il faut. Comme vous n'avez été cherché, je vais accentuer la mobilisation. Oui. Là, il faut qu'elle prenne des cours de cuisine. Amen, quand même. Au pays, je cuisine. Non. Ici, je cuisine. Non. Voilà ça. Là, les pâtes ont commencé à sortir l'eau. Ok, est-ce que nous on est là comme mouvement? Là, les pâtes ont commencé à sortir l'eau. Tu vois un peu. Parce que je ne veux pas que quand je vais manger les lardons là, les lardons les moins chers, c'est ceux-ci. Ce sont les lardons que tu peux trouver même à 90 centimes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je coupe les lardons là avec le gingembre. Attendez, je vais mettre le truc. Je vais montrer comment on cuisine. Après, on va revenir dans le Congo ça. Hein. Vous savez, c'est comme ça qu'on devait faire. Tu fais ton live tranquillement. On va avoir une bande de. Après, on va tomber sur eux. Lolo, ton RSA. Il faut que tu nous dises comment tu as mangé le RSA là. Voilà. Ok. Donc là, ça commence à sortir l'eau. Une fois que ça commence à sortir l'eau comme ça, là, c'est très simple. Tu peux mettre un peu de gingembre. De gingembre en poudre, c'est très important. Ça dépend des goûts de chacun. Moi, je ne veux pas un goût européen. Je ne veux pas que ça ait un goût européen. C'est pour ça que je mets le gingembre en poudre. Donc, je mets le gingembre en poudre là-dedans pour casser un peu le goût. Mais ce n'est pas encore l'assaisonnement. Hein. Ça, c'est seulement pour accompagner parce que après l'eau, là, va devenir... Après l'eau, là, va devenir un genre. Voyez un peu. C'est pour que les lardons sèchent d'abord. Après, bon, pour tuer le goût du porc, je mets un peu de... Voilà, quatre... Les épices, voilà. Un petit herbe de Provence. Voilà, comme ça encore, je fais encore petit. Et là, maintenant, ce que je suis en train de faire là, les filles vont noter, ce que je suis en train de faire là, c'est très important, ça permet, parce que les lardons sont déjà salés, donc ça permet que... Quand il va mélanger avec la sauce, avec la crème fraîche, ça va maintenant prendre un autre goût. Ça veut dire que tu auras l'impression que tu es en train de manger quelque chose qui n'est pas vraiment... qui est un peu bizarre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand on cuisine les lardons, on ne met pas l'eau. Parce que le porc d'abord produit d'abord de l'eau. Vous voyez, je n'ai pas mis l'eau, vous voyez non. Le porc d'abord produit l'eau. Donc c'est pour ça que quand on cuisine, quand vous faites les lardons, évitez de mettre de l'eau. Séchez ça comme ça là. Et ça, ce sont les petits trucs que vous pouvez apprendre à vos enfants. C'est-à-dire que quand tu cuisines, par exemple, ça là, tu dis à ton fils que bien, tu dis à ton fils que lardon, oignon, tac, tu poses. Tu dis à ton fils, et apprenez à montrer à vos enfants. On ne se lève pas le matin pour dire à son enfant que va faire la cuisine. Non. On ne se lève pas le matin pour dire à son enfant que va faire la cuisine. Comment est-ce qu'on fait pour que son enfant fasse la cuisine? Quand l'enfant a peut-être 2 ans, 3 ans, pendant que tu fais les lardons, tu dis que pardon, épluche-moi le l'ail. Pendant ce temps, l'enfant épluche l'ail. Mais l'enfant ne sait pas pourquoi l'enfant épluche l'ail. Et finit de plucher l'ail. Il dit que, ouais, pardon, ne fais pas les oignons. Parce que les enfants vont toujours faire ce qu'on les interdit de faire. Non, ne fais pas les oignons, ça pique. Et l'enfant va toujours vouloir te montrer qu'il connaît. Et ça se passe entre 3 ans et 5 ans. Entre 3 ans et 5 ans. Là, maintenant, c'est le jus qui commence à sortir. Vous voyez, non? Là, maintenant, c'est le jus qui sort maintenant. C'est là maintenant où le goût commence à entrer. Pendant que le jus est en train de sortir, qu'est-ce que je fais? Je prends une partie de mes condiments que j'ai assaisonnés aujourd'hui. Je mets dedans. Je mets beaucoup parce que je vais mettre beaucoup de crème fraîche. Je prends une partie de mes condiments, je mets dedans. Qu'est-ce que je fais? Je commence à tourner maintenant. À partir de ce moment, ça a pris un autre goût. Normalement même, si c'était que je suis seul... À partir de ce moment, il fait des hachops. À partir de ce moment, l'assaisonnement, il est là. Donc, c'est un autre goût que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que ça, c'est l'assaisonnement maintenant du... Mais, comme je ne suis pas seul à la maison, comme il y a les moulins à la maison, donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre la sauce... Pendant ce temps, je tourne. Le feu est à feu doux. C'est un petit feu.
Ne mettez pas. Beaucoup de femmes ont l'impression que quand le feu est grand, c'est là où ça. Non. Feu doux. Ça veut dire que c'est quand c'est doux que ça cuit bien. Et tant que ça ne colle pas encore, je ne mets pas encore la crème fraîche. Je laisse encore cuire ça au maximum. Vous voyez un peu. Après, elle dit qu'une femme peut me barrer. Une femme compte sur quoi pour me barrer? Elle compte sur quoi? Une femme peut me barrer. Vous parlez seulement. Une femme peut me barrer. Une femme ne peut pas. Elle compte sur quoi? Elle compte sur quoi pour me barrer? Voilà, voilà ce que les lolos devaient montrer aux gens. Voilà, au lieu de parler de comment les caractères les cuisent. Voilà comment ils doivent faire aux gens. Comme ça, là. Ça, là, c'est déjà mangeable. Ça, là, c'est à un goût. Vous parlez de quoi? Et pendant ce temps, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends ma crème fraîche. Là, maintenant, je prends ma crème fraîche parce que maintenant, ça va commencer à coller un peu. Je laisse toujours ça à feu doux. Très important, toujours à feu doux. Voilà, attendez, je vous baisse encore ça, parce que vous parlez que, oui, mais voilà, toujours à feu doux. C'est très important pour les hommes qui travaillent la nuit. Comme ça, tu peux faire, pour les hommes qui travaillent la nuit là, comme ça, pendant que ta femme est au travail dans la journée, quand tu te réveilles vers midi, 13h, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à faire la cuisine pour aider ta femme à ne pas se fatiguer le soir. Tu te fais une petite bouffe comme ça là. Voilà. Là maintenant je mélange. Voilà. Là maintenant je mélange. Voilà. Je commence à mélanger tout doux. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. Parce que je sens que ça commençait déjà à coller la marmite. Je commence à mélanger ça tout doucement. Tout doucement. Voilà. Ça ne court pas. Voilà. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait. Quand toi, tu es un homme et que tu as travaillé la nuit, tu as fait les 3-8 et que tu rentres le soir et que ta femme rentre vers 16h, 17h, elle trouve que tu as fait à manger. Tu as fait le ménage. Une femme peut te barrer. Voilà les hommes, voilà les hommes. Au lieu d'aller manger chez Céline Ladoyenne, voilà ce qu'on peut faire. Au lieu d'aller manger chez Céline Ladoyenne, tu peux apprendre à faire la cuisine. Tu peux en direct, tout le monde nous voit. Ce n'est pas les histoires de qu'on attend, nous, que l'autre passe. Non, non, non. Tu fais ça en direct, tout le monde nous voit. Voilà. Ça commence à cuire là doucement, doucement. Doucement, naïo. Après, on s'étonne que l'enfant aime le tonton. On s'étonne que l'enfant aime le tonton. Parce que le gars, d'abord, quand il est à la maison, d'abord, il cuisine comme il n'est pas fermé. L'enfant est à l'aise. La cuisine est devant vous. La cuisine que je viens de vous faire, le budget maximum, c'est 5 euros. Maximum, c'est 5 euros. La cuisine que je viens de vous faire, lardon, 2 euros. Crème fraîche, 1 euro. Pâte, 2 euros. Ça fait combien au total? Ça vous fait ce qu'on appelle à manger. Et ça, c'est un mangement. Avec 5 euros, tu manges pour 5 personnes. Tu fais la nourriture pour 5 personnes. Avec 2 euros. Voilà ce qu'on attend. Hein? Vous allez distribuer les bouteilles de champagne en plein midi. Un homme va au restaurant en plein midi. Travaille, travaille pas. Pour montrer aux gens qu'il existe aussi. Voilà ce qu'on attend de vous. Voilà ce qu'on attend de la diaspora. Ils sont là. Voilà pourquoi les gens sont toujours derrière Amer Kamer. Parce qu'Amer Kamer, c'est quelqu'un. Voilà, ça comme un bon petit Mpelé. Pendant que c'est là, maintenant, pour cuire ses pâtes, c'est très simple, c'est différent. Prenez toujours les moins chers. Ça ne tue pas. Le moins cher ne tue pas. Je prends l'eau. Je charge les pâtes. Je prends l'eau, je charge l'eau. Voilà. Lolo, je te montre ce que tu devais montrer aux gens. Je prends l'eau maintenant. Je fais cuire. Pour ces pâtes, il faut d'abord faire cuire. Il faut d'abord bouillir l'eau avant. Voilà.
je boule l'eau avant. Et après, quand ça va maintenant bien, après, il va mettre l'eau là-dedans. Oui, même bananes pour la série. Quand ça va maintenant bien. Oh, go. Jobin pour la série. Quand ça va maintenant bien. Hein? Oh, go. Voilà, attends, j'allume celui-ci. Voilà. Là, j'allume celui-là. Voilà, je pose ça. Non, ce que je vais même faire, c'est que je vais changer de. Je vais changer de feu. Je mets celui-là, là. Celui-là, je le mets ici. Par contre, celui-ci, je peux l'augmenter. Voilà. Voilà, c'est très simple. Ici, je mets l'eau. Celui-ci est en train de. Celui-ci est à petit feu. À petit feu. Ici, là, ça, ça dit que là, la cuisson, elle est diable. La cuisson est prête à 75%. Là, c'est déjà cuit à 75%. Le goût de ça, maman. Quand tu entends que. Et les gars, si dehors qui restent avec eux, tu arrives comme ça, mon frère. Langatouba. Langatouba, toi, tu restes comme ça, le Mouna, tu as Langaké. C'est celui-là. Ça dit que le Mouna, Joss a sa mère que. Ça mange avec. Le Mouna, Joss a la mère que. C'est le page là que moi, je veux. Vous blaguez. Vous pensez que. Quand vous dites que moi, une gars ne peut pas me barrer, vous pensez que c'est le blague. Ce n'est pas le blague. Une gars ne peut pas me barrer. Avec ce que ma mère m'a appris, elle va compter sur quoi? Et je vais dire aux femmes, tous les hommes font la cuisine. Ça dépend de comment vous les prenez. Quand un homme est en train de te draguer, Amen, tu avais promis de parler de ma bonne année. Amen, tu m'avais promis de parler de ma bonne année. Ouais, pardon, rappelle-moi. C'est vraiment une cuisine d'homme. La femme de ménage. La femme de ménage aurait de quoi faire après le recours. Non, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. C'est que, en France, on ne fait pas la cuisine. Bon, là, c'est déjà presque bon. Je laisse encore mijoter un peu. Pendant ce temps, j'ouvre pour aérer. Pendant que c'est là, il faut bien aérer, sinon les odeurs. Voilà. Je disais dans ceci. Donc là maintenant, ça, la sauce bolognaise, ça là, c'est pour moi. Je vais manger ça pendant 2 jours. Parce que d'abord, c'est gras. Et comme je suis en train de prendre le poids, je prends tout ce qui est gras. Voilà, je peux m'arrêter. Voilà. Parce que comme c'est le week-end, donc là j'ai fait ça pour 2 jours. Tu peux manger les pâtes pendant 2 jours, ça ne me dérange pas. Donc, maintenant, comme je vais commencer comme à partir de vendredi, vous savez, Uber fonctionne beaucoup plus quand les gens ont touché le RSA. Parce que les gens du RSA dépensent beaucoup en appelant. Donc, c'est là où on va beaucoup. Donc, là, comme c'est la pâte d'arachide, donc la dernière pâte d'arachide qui reste là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler d'abord toute la pâte d'arachide parce que je vais écraser la pâte d'arachide là. Je vais mélanger la pâte d'arachide avec ça. Là. Voilà. Mais avant, j'essaie d'abord de la. Voilà. Parce qu'après, on va mélanger ça avec l'eau. On va mélanger ça avec l'eau. On met la tomate. Pour que ça aille. Pour que ça devienne quelque chose de. Mais par contre. Quand vous voulez bien cuisiner, prenez toujours la tomate pelée. Évitez la tomate genre. Ouais, non. Bon, Lolo. C'est ce qu'on appelle à faire un congosa positif. Pendant que tu fais le congosa en même temps. Lolo, je vais te dire quelque chose. La vie, ce n'est pas les réseaux sociaux. La vie, ce n'est pas les réseaux sociaux. Vous avez compris?
beaucoup de gens pensent que moi je suis connecté tout le temps parce que j'ai le temps. Je suis connecté tout le temps parce que j'ai le temps. Et j'ai une façon de communiquer avec vous en travaillant. Quand j'ouvre mon live, soit je vous fais rigoler, soit on va parler d'un sujet important, mais en cuisinant. Les hommes qui vous disent souvent que « Oh, je ne sais pas faire la cuisine », laissez la famille. Quand un homme est en train de te draguer, c'est le moment où tu apprends à faire la cuisine. Parce que quand un homme veut ton derrière, il est capable de faire tout. La première fois, et je ne sais pas pourquoi, oh vous les femmes, quand un homme vous drague, vous ne les invitez pas chez vous, pourquoi? Quand un homme te drague, c'est l'occasion de le faire faire le ménage. Parce que des fois, je vois souvent certaines femmes, « Oh non, je ne peux pas te faire venir chez moi, non, ma chérie, c'est l'erreur. » Quand un homme te drague, la première des choses, si il n'y a pas de souci, je t'invite à la maison. Quand tu invites le gars, tu ne, surtout quand le gars te plaît, quand tu l'invites, tu ne prépares pas. C'est quand il arrive que tu commences à préparer. Il a envie de te draguer, non, il va vouloir te montrer qu'il est prêt. Ouais, chérie, pardon, comme je n'aime pas. Pardon, ouvre le frigo là, prends-moi l'oignon, tu me prends là, tu me prends le cube magique. Pendant ce temps, tu fais ton affaire. Il a envie de te draguer, il va partir. Ok, pendant qu'il prend, tu dis que ouais, épluche-moi le. Épluche-moi l'ail. S'il tente de te dire qu'il ne peut pas, tu le fais comprendre que je ne peux pas sortir avec un homme avec qui je ne suis pas compatible. Il sait que quand tu vas lui dire épluche, il va éplucher ça. Tu fais ça la première fois que vous qui vient chez toi. Des fois vous êtes là, un homme te dit que ouais, tu ne m'invites pas chez toi. Quelqu'un qui veut être boy. Quelqu'un qui veut être ta corniche. Tu n'invites pas pourquoi? Ma chérie, tu laisses même ta cuisine sale. Quand il vient, il y a le wok qui l'attend. Quand il vient, tu dis que ouais, chérie, donc tu disais que tu voulais. Elle te dit que prends-moi. Ouais, chérie, pardon, j'ai oublié. Non. Bon, ce qu'on va faire, c'est que pendant que je suis en train de faire le riz, prends-y, même si tu sais que tu as le cube magique à la maison, tu dirais, chérie, voilà 5 euros. Il y a le leader en bas, là, pardon, tu me prends le cube magique. Tu prends le cube magique qui est. Ou bien quand tu arrives, tu m'appelles par WhatsApp, je vais te dire ce que tu vas prendre. La première fois qu'il vient chez toi, tu l'as déjà envoyé faire les courses, il est parti. Il n'était pas en cognasse, il va partir. Deuxième fois, il t'amène, il te montre déjà comment, tu lui montres déjà comment on fait les oignons. Il est obligé de taper en cognasse. Parce que quand un homme ne tape en cognasse, il va décrocher la lune pour toi. Ma chérie, tout ce que tu fais, c'est que tu ne le gnasses pas. Tu es dans les midi caresses, déjà. Pendant que tu lui montres que. Parce que tu ne lui montres pas aussi que tu as le ballon loué. Il va devenir technique. Tu lui montres que genre, il est là, tu le fais les câlins, genre, et arrange toujours quand l'enfant est. Pour ceux les femmes qui ont des enfants, arrangez-vous toujours après ça quand l'enfant est là. Une fois tu fais les câlins pour le montrer que c'est lui qui est là. Mais par contre, c'est comme si tu le fais sucer un bonbon qui est emballé. Quand tu suces un bonbon qui est emballé, est-ce que ça craint? Ça ne craint pas. Pendant ce temps, tu lui fais les câlins, il y a cela, et tu le fais comprendre que ton fils ou ta fille aime bien les hommes qui préparent. Marco, il va encore te dire un jour que oh, lui ne fait pas la cuisine. Tant que tu n'as pas encore mouffé ton calé, tu n'es pas dans ce qu'on dit, oh pardon, tu n'es pas dans je veux son argent, non. Tu es en train de former un futur cuistot. Parce que pendant la période d'adaptation, maman, tu le fais écraser les oignons, tu le fais écraser le cube, tu le fais faire les courses. Mais entre temps, toujours, tu le fais les bindis centrales, tu fais les bindis morts, tu fais les bindis câlins, tu n'appelles pas les noms, un genre, pour préparer vraiment le terrain. Tu penses que celui-là, il va encore venir te dire un jour que lui, oh, sa mère, là, il ne m'a pas préparé. Il ne va pas encore dire ça. C'est parce que vous, les femmes, vous voulez montrer aux hommes que vous savez tout faire. L'homme vient, tu dis que, ouais, chérie, attends, on va au salon. Toi seul, tu fais la cuisine, tu fais tout. Tu amènes quelque part. Le salopard mange, il va te tromper ailleurs. Et pourtant, il ne te connaît même pas encore. Et comment il va te tromper, il ne te connaît pas. Mais avec ce que tu es en train de faire là, même s'il doit te tromper, il walk. En bon entendeur, ne venez pas dire qu'à mère, quand même, ne nous montre pas les. Vous êtes déjà averti. Vous êtes déjà averti. Ne venez plus me dire que, oh, amère, quand même. Non, tu ne montres pas les vrais, oui. Voilà ça, non? Après, vous entendez seulement
Ouais, le gars là-haut, la fille a mis le gars dans la bouteille. Maman, le gars a fait la cuisine. Hey, hey, les filles sont fortes ici dehors. Les filles sont fortes ici dehors. Donc le gars a aussi fait la cuisine. Après, on raconte partout que tu es à l'Écosse. Ne confondez jamais la technique et l'Écosse. Ouais, attends, non, non, Yolande, ne parle pas, je vais te bloquer. Comme ça, tu ne vas plus revenir. Yolande, attends, je vais te bloquer. Comme tu dis toujours que c'est les mêmes choses, je vais te bloquer sur toutes mes pages. Voilà. Au revoir. Donc, oui, salut la tigresse. Je veux quand même que je partage même ta page. Ma personne, tu as compris. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, non? Bon, là maintenant, on va accéder à la phase 2. Là maintenant, l'eau des pâtes est en train de bouillir. Pendant que l'eau des pâtes est en train de bouillir, quand vous faites les pâtes, je vais vous dire une technique très simple. Il faut cuire les pâtes comme si tu faisais comment on appelle encore ça? Ne faites pas les pâtes comme tout le monde. C'est-à-dire que quand tu fais les pâtes, je vais vous montrer. Ça peut vous sauver. Et ça va vous sauver. Beaucoup de femmes font toujours les pâtes et attendent. Non, maman, c'est ta cuisine. Quand tu cuisines, c'est comme si tu étais dans un restaurant 5 étoiles. Quand tu cuisines, maman, c'est comme si tu étais dans un restaurant 5 étoiles. Là, l'eau est en train de bouillir. Pendant que l'eau bouille, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon truc, je mets de côté. Qu'est-ce que je fais? Herbe de Provence. Herbe de Provence, voilà. Je mets de l'huile. Voilà. Après, je mets les épices de poulet. Très important. Je mets un peu d'épices de poulet. Voilà. Et après, qu'est-ce que je fais? Je tourne. Pendant ce, je tourne. Et après, une fois que j'ai déjà tourné maintenant, je prends mes pâtes. J'ouvre avec le couteau. Voilà. Et là, c'est bon. Une fois que c'est là, allez. Je ferme. Ça dit que rien que les pâtes seules. Tu chopes ça seul sans. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'assaisonnement. Rien que ça là seul. Tu chopes ça sans problème. Donc, on revient dans ce qu'on disait. Parce que vous êtes toujours là. Moi, je ne peux pas vous mentir. Il y a beaucoup de femmes qui sont là. Oh, mon homme ne s'est pas préparé. Ma chérie. C'est parce que tu as voulu que ton homme ne sache pas préparer. Attends. Mais pourquoi tu n'as pas préparé les pâtes si... Non, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait le poulet. Si tu tapes dans les réseaux sociaux, Amen, Kamel fait le poulet à Docta. Attendez, tu vas m'en taper. Non, maman, j'ai, je cuisinais pour Docta tous les jours. Attendez, vous dites Amen, je tape sur YouTube. C'est sur YouTube que ma mère envoie mes vidéos moi-même. Attendez, je tape Amen Kamel cuisine pour docteur. Amen Kamel cuisine. Pour docteur. Voilà, je cherche.
non, ça va, je vais. Oh, il y a beaucoup de cuisine, beaucoup. Attends. Je vais mettre autre chose. Amer, camer. Cuisine au poulet. Amer, camer. Cuisine. Le poulet. Avec ça. Avec ça, on va. Ouais, qu'il y a trop de vidéos, trop de vidéos là. Vraiment, mon nom est versé, c'est-à-dire que c'est versé sur moi. C'est versé sur... Bon, de toute façon, attends, Snapchat. Merci. J'avais mis ça sur mon Snapchat. Heureusement qu'il y a Snapchat pour ça. Snapchat. Comment on fait pour aller photo Snapchat? Voilà, story de Snapchat. On va dire Snapchat 2019. Voilà, tiens. Ouais, heureusement que sur mon Snapchat aussi. Regardez. Vous rappelez, attendez, je vais tout. Vous rappelez de ça, oh non, à l'époque, non, Amer Kamer. Quand vous entendez qu'il y a cry dehors pour Amer Kamer, à l'époque. Ok, le King. Attendez. Là. Voilà comment il cuisine. Voilà, attendez. Normalement. Il y avait une partie là, attends. Je pense que c'est après qu'on avait publié. Et là, c'était pour les courses. Bon, en gros, c'est sur mon Snapchat. Normalement, c'est merci. Non, en fait, c'était ça là. C'était la fameuse vidéo du poulet. Donc, c'est pour vous dire. Non, je cuisine toujours. Et par contre, il ne faut pas laisser longtemps. Bon, une fois que vous avez fini, là, on va encore laisser un petit peu. Voilà, on va encore laisser un petit peu. Voilà. Non, c'est, vous savez, en même temps, je montre beaucoup de techniques aux femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent souvent dire que Amer, comme tu vois là, nanana. Beaucoup de femmes se plaignent toujours pour vous, mon mari. Quand tu as pris un gars, les sales habitudes, ne viens pas pleurer après. Parce que tu prends les sales habitudes, tu apprends à un homme. Tu apprends à un homme. Après, tu t'étonnes. C'est comme les femmes avec les enfants là dehors. Une fois que tu as fini maintenant de faire tes pâtes, qu'est-ce que tu fais? Bon, il y a beaucoup de techniques. Bon, on va d'abord essorer. Voilà, avant d'essorer, on va baisser le four, on va essorer. Il y a beaucoup de techniques pour essorer, vois un peu. Mais après, on va encore revenir. Moi, pour essorer, je n'ai pas besoin de tout. Je bloque avec la louche, après je sors facilement. Ça, c'est pour les techniques, c'est pour les gars qui maîtrisent. Voilà. Voilà. Là, on a presque fini de sauver.
attends. Attends, je vérifie encore bien si le soleil se passe bien comme je vois. Voilà. Ok. Là. Là, vous avez vu. Attendez, je vais ramener ça. Je vais ramener ça. Comme ça, vous allez bien voir. Ce sont les petites techniques que. Deux fois, c'est facile. Mais ça te permet de manger les pâtes sans condiments. Ça te permet de manger les pâtes sans condiments. Attendez, j'incline la caméra. Là, maintenant, je remets. Vous avez vu comment mes pâtes sont devenues. Maintenant, à partir de là, beaucoup, non, je n'ai plus besoin de mettre le beurre. Là, maintenant, comme j'ai tout essoré, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais faire comme si je veux faire frire les pâtes là. En mettant tout juste légèrement le gruyère. Légèrement. Là, je le mets encore l'huile. Maintenant, je fais comme si je veux faire frire les pâtes. Vous voyez un peu. Maintenant, je fais comme si je veux faire frire les pâtes. Normalement, si quelqu'un a un jaune d'œuf, tu mets avec le jaune d'œuf. Avec le jaune d'œuf, c'est encore beaucoup plus nyanga. Avec le jaune d'œuf, c'est encore beaucoup plus nyanga. Voilà. Et en mangeant les pâtes comme ça, là, je vous dis, vous n'avez pas besoin d'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est d'abord, c'est la moitié seulement, je vous dis. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et comme c'est comme ça, je mets un peu le gruyère partout là-dedans. Normalement, tu mets le gruyère avec un peu de jaune d'œuf. Mais comme il n'y a pas d'œuf. Donc, voilà. Je mets légèrement le gruyère, légèrement. Je ne mets pas beaucoup parce qu'il ne faut pas que le gruyère. Il ne faut pas que le gruyère colle sur les pâtes pour que ça devienne. Voilà. À partir de ce moment, c'est là le gruyère a légèrement fondu. Une fois que le gruyère a légèrement fondu, j'enlève directement, je pose à côté. Voilà, mes deux sauces sont déjà prêtes. Là, j'ai ça et j'ai l'autre là. Étant donné que j'ai mis pour la sauce d'arachide. C'est très simple. Je prends la marmite de la sauce d'arachide. Je pose là. Là maintenant, c'est la sauce d'arachide. La sauce d'arachide, c'est le truc le plus simple. Et avec la sauce d'arachide, bon, utilisez toujours les tomates. Évitez les tomates pélées, toutes les tomates pélées. Donc, voilà. Vous prenez pour la sauce d'arachide, c'est la chose la plus simple. Ça va, il n'y a même pas besoin de. Voilà. Même pas besoin de. Voilà, vous mettez la tomate. Vous allez dans les magasins les moins chers. Hein. Il y a un magasin Netto. Netto, c'est un magasin moins cher. Vous avez Netto, vous avez Aldi. C'est un magasin où tu peux t'en sortir facilement. Faut pas quitter, il faut toujours quitter deux fois dans le complexe. Chacun vit en fonction de ce qu'il a. Donc on n'est pas là pour vous dire que non. Donc voilà. Une fois que c'est déjà là, comme c'est déjà là, qu'est-ce que je fais? Je commence d'abord tranquillement. Là, par contre, j'augmente un peu le feu parce que c'est la sauce d'arachide. Voilà. Là, j'augmente un peu le feu parce que c'est la sauce d'arachide. C'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, voilà. Je vais mélanger ça avec le poisson après tout à l'heure. Voyez un peu comment ça dit que en moins d'une heure, tu es déjà prêt. Voilà. Ce sont les mamies de coco. Voilà. Et là,
là, qu'est-ce que je fais? J'arrive dans la pâte d'arachide. Je mets dedans. Voilà, et je mélange avec. Et je ne mets pas encore, et quand je fais ça, je ne mets pas encore le. Je ne mets pas le poisson pour l'instant. Parce que la sauce d'arachide a une cuisson beaucoup plus longue. Donc, et puis, pour éviter. Voilà. Pour éviter que le poisson ne se. Pour éviter que le poisson ne se ne devienne petit là-dedans. Donc voilà. Mais quand même, comme je ne peux pas laisser ça comme ça, donc je vais laisser la tête du poisson. Ça va tourner ça là. Je vais tourner ça avec la tête de poisson. La tête de poisson, une fois que ça sera déjà cuit à 80%, voire 90% même, c'est là où je mets maintenant le poisson. Juste pour que ça s'imprègne d'odeur. Vous avez maintenant compris. Ça, c'était amer, amer. Bon. Et très important, un bon cuisinier, c'est d'abord quelqu'un qui est propre. Donc, là, vous avez vu. Donc, vous n'allez plus dire que, oh. Voilà. On a couvert maintenant. Donc, je pense que c'est le récit de la soupe. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, quand je vous dis que moi, mec, amère, une gars ne peut pas me parler. Tu comptes sur quoi? C'est un vrai bassin, la sauce de la chine, la sauce de la chine, la purée de tomate. Oui, quand il vous dit que moi, une go ne peut pas me parler, je sais faire la cuisine. Je suis un travailleur. Je ne suis un gars, un opportuniste. Je suis un créateur. La gars compte sur quoi pour me dire non? En plus, cerise sur le gâteau, j'ai les 53 cm. La gars compte sur quoi? C'est-à-dire quand un gars va dire que je veux parler à mes camarades, la fille compte sur quoi, Seigneur? Seigneur, compte sur quoi? Voilà pourquoi je fais partie de ces blogueurs que les gars disent que quand une gamme les regarde comme ça, elle se dit que ouais, pourquoi mon mari n'est pas comme le gars? Quand vous entendez que la plupart de ceux qui envoient les têtes de mort là, ce sont les gars. Parce que quand le gars reste comme ça là, et que s'engage que mais, amène quand même l'intéressant. Tu entends que le gars m'envoie les têtes de mort. Le gars me dit, oh tribaliste, oh. Non. Voilà la cuisine qui est déjà finie. Déjà finie. En moins de 2 heures. On a fait le plus essentiel. On fait un live en même temps qu'on cuisine. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous dire, non, il nous donne des conseils en même temps, il nous montre. Puis, cuisine rapide. Vous avez compris? Donc, elle t'a barré sur Facebook. Mais, vous savez, quand tu dis que docteur m'a barré, c'est lui qui parle toujours de moi. C'est toujours elle. C'est qui a annoncé la vengeance. C'est toujours elle. C'est qui nie qu'on n'est pas sorti ensemble. C'est toujours elle. C'est qui nie qu'il n'y a rien eu. C'est toujours elle. Moi, je suis toujours là, mon pote. C'est bizarre. Pourquoi de toutes les filles avec qui je suis sorti, il n'y a qu'elle qui fait le bruit? Pourquoi les autres ne font pas le bruit? Vous voyez? Tu es beau, tu bosses, tu t'habilles bien. Le goût de ça. Kyria Gabriel. Il y a un autre goût que tu n'as pas encore goûté. Jacob. Jacob, la 53. Il ne suffit pas d'avoir 53. Non, ça veut dire que quand tu attends que l'engagé décide, quand vous entendez les gars qui disent dans les réseaux, oh, amen, quand même, sorti avec moi. Oh, amen, quand même, vous pensez que c'est pourquoi? On appelle ça appel de balle. Appel, non, on appelle ça appel de balle. Exactement. Donc, si un gars veut être fort, c'est dans tout un ensemble. Ben oui.
Mais sauf que le réseau Amir Kamer, c'est un réseau très compétitif. Il faut être vraiment, vraiment compétitif. Bah, si tu n'es pas compétitif, ça sera compliqué. Hein. Très compliqué. Ok? Oui, Kouna a parlé. Depuis que Kouna a parlé, non, j'ai mis l'oignon. Et bien, pour te montrer que j'ai mis l'oignon, ma chérie, ce n'est pas le truc d'oignon ici. Non, je suis un 100 cubes magie. Moi, ma cuisine, c'est 100 cubes magie. Je mets le sel. Si c'est gratuit, je veux goûter. Viens sur Angers. Tu me demandes que si c'est gratuit, tu me prends pour un garçon facile. Tu me prends pour un garçon facile. Tu me dis que oh, si c'est gratuit, viens goûter. Tu me prends pour un garçon facile. Tu me dis que viens à Angers. Tu as besoin d'abord où à Angers. Je n'aime pas que tu viens, tu penses vraiment comme si moi je suis un gars facile. Tu as besoin d'où à Angers. Hein? Je n'aime pas ça. Hein? Il faut que je puisse pas arriver chez toi. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Tu ne me déplaces pas chez les gens. Le numéro du bus. Les horaires même. Mais oui. Non, ce n'est pas passé. Ce n'est pas attendu. Ce qui m'énerve alors sur la sauce d'arachide, c'est que ça colle en bas. Et le seul truc qui m'énerve sur les sauces d'arachide, Viviane, tu viens clasher Koun sur mon live. Je vais te bloquer. Hein? Non, non, je ne peux pas aller à Angers. Je ne suis pas un garçon facile. Tu ne peux pas me dire que je viens à Angers. Hein? Je vais venir faire quoi là-bas? Je ne viens pas. J'attends toujours que tu me donnes le numéro du bus. Oui. Ce n'est pas parce que, pas que tu penses que je suis un hein, numéro de téléphone libre aussi. Tu peux aussi nettoyer le four et la maison. Non, ils sont en attendant que l'eau chauffe là-bas. Non, le four est toujours propre. Quand je cuisine, hein, je cuisine, ça veut dire que ce n'est pas les cuisines. Tu vois, la cuisine est propre. Je ne suis pas là, les gens qui mettent l'huile partout. Non, propre. Et quand je finis, je fais mon sport en même temps. Je fais mon sport en même temps. Maman, oh, je sens que la candidature, c'est jour, c'est. Oh, le week-end, c'est. Oh. Le week-end, le nombre de gars qui vont me dire quand même, tu fais quoi ce week-end? Je ne fais rien. Mon numéro de téléphone est sur ma page. Hein? Il est train de te gérer. Maman, je suis à Brive. Pour aller à Angers, je n'ai pas besoin de passer par Paris. Je coupe à Poitiers. Tu parles de quoi? Je coupe à Poitiers. Ne pas que je suis à Poitiers, je suis déjà là-bas. Oh! Hein? À Bordeaux, mais Bordeaux c'est à côté. Hey! Bon, Bordeaux vient d'être déclassé par Angers. En plus, elle est jolie, belle sensibilité. Beaucoup. Non, hey. Non, je préfère Bordeaux. Je change de destination. Je préfère Bordeaux. Parce que Bordeaux c'est à côté. Bordeaux c'est à 30 minutes de Brive. On va dire 45 minutes de Brive. Bordeaux c'est à côté. Et je ne suis pas un gars facile. Hein? Si tu as un peu d'enjustement à Bordeaux, ce n'est pas parce que tu dis que tu habites à Bordeaux comme elle est. Je ne viens pas à Bordeaux. Elle veut le bus pour aller là-bas, même le TGV ici à moi. Ouais, les ténébreuses. Les ténébreuses. Voilà, là on a fini de faire la cuisine. Je vous raconte alors. On revient sur les ténèbres. Homme facile. Moi, je ne suis pas un homme facile. Hein. Implication.
Ce n'est pas parce qu'elle dit qu'elle habite à Bordeaux. Je vais te trahir. Je ne parle pas de la vie. On peut avoir des relations basées vraiment sur. On peut. Ce qui m'énerve sur cette arachide, c'est son truc de toujours être collé en bas là. Donc, je disais ceci, je ne suis pas un garçon facile. Bon, Lolo vient, ne pense pas que je t'ai oublié. Non Lolo, tu pensais que comme je parlais là, je t'avais oublié. Non Lolo, j'étais pour aujourd'hui, j'ai le temps. Amen, tu es chanceux. Michel, tu dis que tu es chanceux. Je paie ton transport, ton logement tout seul. Hey, ma chérie, ton beau, on paye. Hey! Je paye le transport du Benjamin. Tu paies le transport du Benjamin. Mais, à Bordeaux, maman est sur des dents. Je ne suis pas un garçon facile, hein. Je ne suis pas un garçon facile. Même si tu me payes le Benjamin, il ne vient pas. Mon numéro de téléphone est sur la page de Facebook. WhatsApp. Même je ne viens pas. Je ne suis pas un garçon facile. Dans quel hôtel tu vas m'inviter? D'abord, c'est dans quel hôtel? Parce que c'est pas aller dire que moi je suis un garçon facile. D'abord, c'est dans quel hôtel? Je ne suis pas le genre de gars qui parle n'importe où. Hein. Et je ne viens même pas. Ta sauce là. Sera même bon à la lue que non, bon, vous aussi. C'est pas facile, j'ai la chance d'être dragué que je vais accepter. C'est vrai que ça m'est jamais arrivé de refuser. Je vais refuser qu'il n'y ait pas. Moi-même, Inga t'invite, tu refuses que tu fabriques. Attention, mon père. Moi, si on a me piégé, hein, oui, je vais te dire, il y a toujours dit ça aux gens. Si quelqu'un veut me piéger, je ne suis pas compliqué. L'argent est là-bas. Là-bas, tu m'arrives. Là-bas, moi-même, je viens seul. J'ai dit que le piège est où? Hé! Hey, deux fois, il y a même. Moi, je ne sais même pas pour ce qu'elle est en fond souvent. Si quelqu'un veut me nuire, ce n'est même pas compliqué. Envoyez une fille. Elle va vous donner. Des fois, les gens sont toujours là. Amen, amen, on va voir tes nudes. Amen, amen, on va voir tes nudes. Est-ce que moi, j'ai refusé de vous donner mes nudes? Oh! Je n'aime pas le mauvais travail. Je n'aime pas le mauvais travail. Des fois, j'entends le mot. Amen, amen, on va te faire ça. On va voir tes nudes. Est-ce que je vous refuse mes nudes? Envoyez quelqu'un, c'est trop. Oh! Est-ce que je vais vous montrer comment il faut faire? Vous êtes toujours là tous les jours. Oh, amen, amen. On a tes nudes. Je ne sais même pas. Moi, je ne suis pas compliqué. Tu envoies une benga comme père. Tu me plains. Moi-même, je poste et j'envoie. Oh. Ça arrive justement que tu me dis à l'oreille ce qu'elle va entendre. On peut l'avoir par voir même les. Voilà. Des fois, vous êtes toujours là, je ne comprends pas. Ça fait 4 ans dans les réseaux sociaux. Amen, comment chercher tes nus? Amen, comment vous cherchez les menus de comment? Demandez-moi. Je vous donne. Tu es mal. Non. Vous êtes là tous les jours. Et les gars même qui ont menu. Elle dit toujours que je ne peux pas rendre le gars si populaire. Parce que si j'envoie ça là. Non, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous pensez que les filles n'ont pas menu là-dedans? Il y a beaucoup de filles qui ont menu là-dedans. Mais, je ne sais pas pourquoi elle ne publie pas ça. Il ne sait pas. Mais ça. Voilà les conséquences. Quand c'est gros, on ne publie pas. Par contre, c'est que si on monte. L'enfant est gros et long. On sait que si on montre ça, hein. Je vous dis toujours, si jusqu'à présent,
Tu es grave. Si jusqu'à présent, je ne suis pas encore dans le porno, c'est parce que mon père est vivant. C'est parce que mon père est encore vivant. Il n'est pas en plein à Kogo, mon père est là, ici. Allô? Allô? Une heure. Ah. Non. Non, Valentine, je ne suis pas grave. Valentine, je ne suis pas grave. Je ne suis pas grave, Valentine. Attends, je réponds à un message. Voilà. Donc, Magnan, ouais, attends, bon. Normalement, je ne dois pas dépasser 2h41. Ça appelle 2h41. Attends, je regarde un peu. Normalement, je ne dois pas dépasser 2h41. C'est ce qui m'énerve alors dans l'affaire de... Attendez, je regarde un peu. Normalement, ça ne doit pas dépasser. Ouais, donc là, ça a dépassé 2 heures. Bon, on va arrêter, on va le lancer dans la soirée. C'est dans la soirée qu'on va beaucoup rigoler. On va faire le bilan des posts, on va faire les comparaisons des posts et X ou Y. La sauce à la chine là va sécher. Non, ça ne veut pas encore sécher, il y a encore l'eau. Il y a encore l'eau. Ok.